Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir pour cette conférence non pas un mais deux auteurs du livre Le Théorème d'Hippocrite. Un qui pourra répondre dans le chat et l'autre qui répondra en fait de vive voix tout au long de la conférence. Donc Antoine Loulou Garcia est notre invité pour cette 17e conférence, je crois, du Festival des maths dans tous leurs états. Antoine Loulou Garcia est chargé de cours de théorie politique à Trente en Italie et il a donc coécrit un livre, Le Thème d'Hippocrite, où il nous explique comment il ne faut pas se faire avoir par les politiques qui manipulent les chiffres et à l'aide des mathématiques. Enfin, je ne sais pas si les politiques sont de fins mathématiciens ou pas. Nous allons en apprendre davantage. Donc, c'est à toi, Antoine. Merci bien. Merci. Merci à tous d'être là. Alors, effectivement, peut-être qu'avec le sujet qui est le nôtre ce soir, vous attendez à ce qu'on parle beaucoup du Covid et de choses comme ça. Je vais essayer de faire un peu plus original et de ne pas aller sur ce sujet-là. Si vous voulez, on peut en parler après dans les questions. Il y a Thierry également, si vous voulez lui poser des questions, donc n'hésitez pas. Mais pour ma part, je vais aller plus sur des sujets qui se rapprochent de choses un peu plus lointaines. Disons qu'ils sont des choses peut-être un peu moins connues, mais qui, je pense, peuvent donner un éclairage, j'espère intéressant, sur la situation actuelle en général de l'entrée, de l'intrusion même, on peut dire, des mathématiques dans la politique. Deux citations avant de commencer, que je vais vous partager dans le chat pour que vous puissiez les avoir si ça vous intéresse. La première, elle est d'Architas de Tarente. Alors, c'est un nom qui n'est peut-être pas hyper familier pour vous. C'est quelqu'un qui est un disciple, disons, de Pythagore, mathématicien et homme politique, donc à Tarente, en Italie du Sud. Et Architas écrit ceci, donc dans un ouvrage dont on a perdu l'essentiel, mais on a conservé quelques fragments grâce à d'autres auteurs qui les ont cités. Donc, la mésentente a cessé et la concorde s'est accrue du jour où l'on a inventé le mode de calcul. Grâce à lui, en effet, au lieu de l'esprit de surenchère, c'est l'égalité qui règne, c'est encore lui qui nous met d'accord avec ceux avec qui nous traitons d'affaires. Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, sympa de l'intervention du calcul et des mathématiques plus généralement dans la politique. C'est que le calcul, bah, ça permet de mettre tout le monde d'accord parce qu'il y a une forme d'objectivité dans le calcul, il y a une forme d'indiscutabilité des résultats. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça un peu qu'on pourrait résumer cette pensée-là. Et puis, bizarrement, il y a quelqu'un qui dit exactement le contraire, c'est Voltaire. Donc dans son dictionnaire philosophique, à l'article Nombre, il dit ceci: le pouvoir des nombres fut d'autant plus respecté parmi nous qu'on n'y comprenait rien. Et là, on voit un petit peu le côté déjà un peu plus obscur des nombres, c'est que quand on n'y comprend rien, et Xavier le disait en introduction, les hommes politiques ne sont pas forcément des grands mathématiciens. Mais ça peut être des habiles utilisateurs de ce qu'ils ne comprennent pas nécessairement, les mathématiques. Habiles ou pas d'ailleurs, il peut y avoir des manipulations involontaires comme des manipulations volontaires. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le calcul crée une forme d'opacité. Ça, c'est une chose qui est très très nette. Utiliser des arguments chiffrés, quantitatifs, ça permet de couper court à la discussion. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique en politique parce que ça nous donne une autorité assez légitime à dire, ben voilà, les chiffres le disent, donc on n'a pas à discuter. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus négatif. Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais remonter à celui qui est le premier, qui en quelque sorte a introduit les mathématiques dans la pensée politique. Et ce premier monsieur, en l'occurrence, je vais vous partager une petite image tant qu'à faire, parce que j'ai prévu quelques illustrations, c'est quelqu'un dont vous connaissez forcément le nom, Pythagore. Alors Pythagore, il faut savoir qu'il vit donc à Crotone, en Italie du Sud. Je vais vous montrer la carte, voilà. Crotone se situe donc sous le pied, dans la botte de l'Italie. Il n'est pas originaire de là, il a pas mal voyagé dans sa vie, notamment en Égypte, à Babylone, il a appris les maths et la philosophie. Les linéaments de ce qu'était alors la philosophie là-bas. Et puis, il arrive à peu près à 50 ans à Crotone, et Pythagore fonde assez vite ce qu'on appelle une secte, mais dans un sens pas nécessairement méchant du terme, qui est donc une école philosophique.
Et cette école philosophique s'oriente autour des mathématiques, de la philosophie, de la réflexion politique, de la réflexion sur la musique et de plein de choses. Et notamment, donc, je disais, la réflexion sur la musique. Alors, si vous voyez l'école d'Athènes, donc de Raphaël, cette assez célèbre fresque, vous avez quelque chose, un petit détail qui n'est pas forcément hyper connu, qui se situe sur le petit tableau noir à la craie, qui représente en fait la théorie pythagoricienne de la musique. Donc Pythagore développe une théorie de la musique mathématique qui est assez complexe telle quelle, mais qui n'est pas tant que ça en réalité. On peut la simplifier en disant que, en gros, si on prend une corde vibrante, un élastique par exemple, et qu'on la fait résonner, on la pince pour faire un son. Retenons ce son comme étant le do, par exemple, la première note, pour faire simple. Si on ne fait résonner que la moitié de la corde, de l'élastique, eh bien on obtiendra le do de l'octave supérieure, donc le do directement plus aigu. Si on fait résonner les deux tiers de la corde, on obtient le sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle la quinte en théorie musicale. Si on fait résonner seulement les trois quarts, eh bien on obtient la quarte, c'est-à-dire le fa sur un clavier. Tout ça, ça peut vous sembler très loin de la politique, mais en fait, c'est assez proche dans la mesure où cette théorie musicale mathématique va être au fondement et au cœur de la théorie politique de Pythagore. Juste une petite chose, au cas où vous ayez fait un petit peu de solfège ou un instrument dans votre vie, la technique de Pythagore pour construire la gamme qui est celle qu'on utilise aujourd'hui à très peu de choses près, elle a été utilisée jusqu'au XVIIIe siècle et aujourd'hui, elle a à peine changé. C'est similaire. Si vous partez du Fa et que vous faites la quinte du Fa, donc c'est un rapport 3/2, hein, comme on l'a dit, vous obtenez le Do. Si vous faites la quinte du Do, vous obtenez le Sol. Si vous faites la quinte du Sol, vous obtenez le Ré, et etc. Vous voyez donc peut-être se dessiner quelque chose qui s'appelle Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, et puis qu'on peut lire dans l'autre sens, similaire à Sol, Do, Fa. C'est tout simplement le cycle des dièses et des bémols qu'on met à la clé lorsqu'on écrit sur une portée une partition musicale. Ça vient directement de Pythagore. Et bien ça paraît innocent, ça n'est pas forcément tant que ça. Parce que dans une ville voisine qui s'appelle Sybaris, donc qui est à environ 100 km au nord, il y a, dans le, à l'époque où Pythagore vit à Croton, donc dans les années moins 520, moins 510, un régime démocratique qui se met en place. Alors, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le seul. Il y a celui d'Athènes, évidemment, qui est plus connu, mais celui de Sybaris précède légèrement celui d'Athènes. Et en fait, la démocratie en Grèce, donc l'Italie du Sud, c'est ce qu'on appelait la Grande Grèce, c'était des colonies grecques. Rome, à l'époque, n'était pas grand-chose. À Sybaris, donc, ce gouvernement démocratique se met en place, chasse des représentants, des disciples de Pythagore, des représentants de son école, qui donc vont se réfugier à Crotone chez leur maître. Et Pythagore dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Sybaris est devenu démocratique. Nous, il se trouve qu'on n'est pas une démocratie du tout. On a un gouvernement oligarchique dans notre cité de Crotone. Alors, ce gouvernement oligarchique, c'est Pythagore lui-même qui le met en place, avec des élèves à lui qui sont des ministres, en quelque sorte, on va dire, si on peut employer des termes modernes, ministres de la guerre, ministres des finances, des choses comme ça. Et Pythagore, dans tout ça, bah, c'est un peu l'éminence grise, l'intelligence de l'ombre, qui dirige tout ce petit monde sous une forme donc, qu'on peut appeler une oligarchie aristocratique, intellectuelle, pour le dire de façon assez ramassée. Le problème pour Pythagore, c'est que non seulement on a chassé ses disciples de Sybaris, bon, ça c'est moyen, la reconduite à la frontière n'était pas forcément déjà considérée comme quelque chose de très sympathique, mais en plus de ça, les gens à Sybaris sont passés sous un gouvernement démocratique, et ça fait peur, parce que quand on est soi-même chef d'une oligarchie aristocratique, on se dit quand même que les démocrates, ça peut donner des idées négatives, ou en tout cas dangereuses, à nos propres habitants. Donc pour éviter qu'il y ait un vent de révolte démocratique à Crotone, Pythagore suggère à son gouvernement de faire la guerre à Sybaris. Et cette guerre va être vraiment menée, il va y avoir des morts, c'est une vraie guerre, au point que même Sybaris va être rasé, brûlé. Sybaris est une ville qui n'existe plus aujourd'hui pour cet événement historique. Ce que je vous raconte là, il y a des sources hein, grecques et historiques qui nous le rapportent. Évidemment, sur Pythagore, les sources sont
mi-légendaire, mi-historique, mais enfin, on a quand même des éléments qui concordent tout à fait pour nous laisser penser que ce n'est pas une simple invention postérieure, mais une vérité historique. Il y a également des éléments archéologiques qui tendent à nous le faire penser. Alors, où sont les maths là-dedans? Eh bien, les maths qui servent à Pythagore pour justifier son gouvernement oligarchique et aussi pour détruire le gouvernement démocratique du voisin, consistent en ce qu'on appelle la commensurabilité. Alors, on va le dire en plus simple, les proportions, c'est-à-dire en gros les rapports de nombres entiers. On a vu que la gamme pythagoricienne, elle fonctionne avec ce rapport 3 demi. Je prends un fa, je multiplie par 3 demi, alors on va dire la fréquence du son, j'obtiens le do, je multiplie par 3 demi, j'obtiens le sol, et ainsi de suite. Cette idée que les nombres entiers, quand on en fait un rapport, quand on en fait des fractions, peuvent créer une harmonie universelle, puisque c'est l'harmonie de la théorie musicale qui a été utilisée jusqu'à présent, qui est valide, disons, même si la gamme pythagoricienne aujourd'hui a été abandonnée, mais elle a vécu pendant 2500 ans presque, donc c'est quand même pas mal, 2300, disons. Cette idée que la proportionnalité est le fondement de l'harmonie universelle, ça peut se transposer en un discours politique. La proportionnalité, ça devient l'idée du mérite. C'est-à-dire que si moi, je suis plus intelligent qu'un autre, eh bien alors il est logique que j'ai plus de pouvoir que cet autre. Si j'ai plus de mérite en général, eh bien alors il est normal que je reçoive plus de choses, plus de pouvoir, plus de richesses. Ça peut paraître assez logique. C'est ce qu'on appelle, en termes modernes, la méritocratie. Alors ce terme, il vient, donc je vous montre la couverture d'un ouvrage de Michael Young, qui n'est pas Michael Young, l'humoriste français, mais un sociologue et politologue anglais des années 60. Ce livre, écrit justement dans les années 60, ce livre propose un roman d'anticipation assez sombre, dans lequel il imagine qu'une véritable méritocratie s'est formée. Alors c'est lui qui invente le terme, et cette méritocratie, elle promeut évidemment les plus intelligents, les plus beaux, les plus, mais elle marginalise ceux qui sont moins intelligents, ceux qui sont moins beaux, ceux qui sont moins méritants. Et tous ces gens-là marginalisés, eh bien, ils tombent dans un monde complètement obscur. Donc, à l'origine, l'idée de la méritocratie, elle est négative. Cette idée de méritocratie, inventée par Michael Young, à partir de ce qui se passait véritablement, notamment en Grande-Bretagne, mais en Europe en général, dans les années 60, cette méritocratie de Michael Young n'est pas fondée sur un principe mathématique. En revanche, celle de Pythagore est strictement fondée sur un principe mathématique qui s'appelle donc la commensurabilité ou la proportionnalité des choses. Cette idée-là, donc Pythagore l'utilise vraiment en son cœur pour en faire un argument non seulement de gouvernement local, mais aussi un argument de destruction de la démocratie naissante. Et de fait, la démocratie à Sybaris ne va pas durer longtemps, puisque Sybaris est rasée dans les années moins 510. Pythagore meurt dans les années moins 500. Et il est vrai que même si la démocratie était assez vivace dans les années moins 520, moins 510 en Italie du Sud, il y a quand même eu un coup d'arrêt. Au final, c'est Athènes qui a pris le relais de ce qui deviendra la démocratie grecque telle qu'on la connaît plus ou moins, qui est plus complexe que ce qu'on en a souvent comme idée. En tout cas, cette idée de la méritocratie pythagoricienne, c'est exactement celle que l'on vit aujourd'hui dans nos sociétés et qui mène à quelque chose que François Dubay appelle la préférence pour l'inégalité. Alors Dubay, c'est quelqu'un qui est tout à fait contemporain, qui est prof à l'EHESS et qui est un sociologue très intéressant et assez renommé. Et donc cette idée de préférence pour l'inégalité, à mon sens, elle vient directement de ce que Pythagore a élaboré comme théorie mathématique politique, cette théorie de la proportion qui valorise les forts et marginalise les faibles. Alors, il y a un deuxième exemple un peu plus récent que je voudrais citer avant d'aller sur des choses strictement contemporaines, c'est le mythe de l'homme moyen. Il a été développé dans les années 1830 par quelqu'un qui s'appelle Adolphe Quetelet, que je vous montre là,
qui est un Belge et qui s'est intéressé tout d'abord à des choses strictement mathématiques, pas politiques du tout. Et vous allez voir que ça a eu des conséquences assez notables et assez néfastes pour le coup sur la vie de millions de gens. Quetelet, quand il est jeune, il s'intéresse, il va à Paris, il s'intéresse avec les plus grands astronomes de l'époque, il s'intéresse à la trajectoire de certains astres, de certains météores, etc. Et il remarque que quand voilà, il y a plein d'astronomes évidemment qui font des prédictions sur la trajectoire des astres. C'est une chose qui est à la mode. Bon, ça se fait à travers des calculs mathématiques et de l'observation évidemment grâce à des télescopes qui sont relativement bons ou pas, ça dépend, qui ont certaines marges d'erreur dans leurs observations. En tout cas, ce que note Quetelet, c'est que toutes les observations qui sont faites, toutes les trajectoires qui sont prédites par les astronomes s'orientent autour de ce qu'on appelle une courbe de Gauss. C'est-à-dire une courbe, comme vous voyez là sur un billet allemand à l'époque où il y avait encore les marques, cette courbe en cloche que vous connaissez sans doute si vous avez fait un petit peu de probabilité ou de statistique, dont vous avez la formule ici de la loi normale qui est écrite. Cette courbe-là, en fait, elle veut dire qu'en son centre, il y a une moyenne. Et puis, sur les bords, il y a les marges qui sont les choses les moins fréquentes. Au centre, la moyenne, ça correspond à la moyenne des prédictions de trajectoire que font généralement les astronomes et qui correspond à la véritable trajectoire de l'astre. Donc, en gros, vous prenez toutes les observations qui sont faites, toutes les prédictions de trajectoire qui sont faites par les différents astronomes, vous en faites la moyenne, vous tombez sur le truc qui probablement est assez vrai, correspond à la véritable trajectoire du vrai astre et non pas modélisé. Et puis, sur les marges, il y a des erreurs qui sont donc assez grossières, et plus on s'écarte de la vraie valeur qui se trouve au centre, plus il est rare que quelqu'un ait commis une telle erreur aussi grossière pour se retrouver sur la marge. Donc, Quetelet, lui, ce qu'il se dit, c'est du coup, la vérité, elle est sur la moyenne. La moyenne statistique, elle donne l'image de la vérité des choses. Et il se dit, c'est un truc sympa sur l'astronomie, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça un peu plus loin, sur les êtres humains, par exemple? Alors, ce que fait Quetelet, c'est qu'il s'intéresse à diverses mesures, diverses mensurations qui ont été faites dans l'armée écossaise notamment, de tous les soldats. On leur a mesuré le torse, la taille des bras, la hauteur des jambes, la hauteur du corps globalement, la circonférence crânienne, plein de choses comme ça. On est à une époque où la biométrique commence à être assez à la mode pour un tas de raisons. Et Quetelet se dit, bon ben voyons si ça marche cette histoire de la moyenne. Est-ce qu'on peut transposer cette histoire des trajectoires célestes à des êtres humains? Et boum, il se trouve que oui. Il se trouve qu'effectivement, il y a une moyenne qui se dessine pour chacune de ces mesures corporelles. Et de fait, Quetelet fait un travail colossal, il n'y avait pas d'ordinateur ni de calculette à l'époque, il fait un travail à la main colossal de calcul qui lui permet effectivement de voir que la distribution, comme on appelle en statistique, la distribution des mensurations suit une courbe de Gauss. C'est-à-dire que, en gros, si on prend la taille, par exemple, d'un être humain, il y a très peu de gens très petits, donc qui se trouveraient tout à gauche dans la courbe de Gauss, très peu de gens très très grands, et puis par contre, il y a une majorité immense de gens qui sont dans la moyenne, donc qui ont une taille moyenne. Et à partir de là, ce que se dit Quetelet, c'est eh bien, cette taille moyenne des soldats, eh bien, c'est peut-être ça la vraie taille, entre guillemets, que doit avoir un être humain. C'est peut-être ça la taille qui serait celle de notre moule originel. C'est-à-dire, si Dieu voilà, faisait un être humain parfait, il le ferait avec cette taille-là. Tous les autres, du coup, se retrouvent en dehors de ce qu'on appelle la moyenne, de ce qu'on appelle la norme, et donc, de fait, ils deviennent anormaux. C'est pas qu'un jeu de mots, c'est une vraie conception statistique. La normalité, LA, plus loin normalité, et puis L apostrophe, anormalité, ce sont deux concepts qui dérivent notamment des travaux statistiques qui ont été faits à l'époque, notamment de ceux de Quetelet. Alors, Quetelet, il ne s'arrête pas là, il se dit même, tiens, je pourrais regarder un petit peu le poids des gens. Et Quetelet, il se dit, effectivement, ça marche aussi. Là encore, il y a une distribution en courbe de Gauss sur le poids des gens. Et donc, il y a donc un poids parfait,
Il y a des gens qui sont trop maigres, il y a des gens qui sont trop gros. Ce que fait Kettley pour essayer de définir ce qu'on va appeler trop maigre et trop gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille au carré. Vous avez sans doute déjà regardé un petit peu ce genre de calcul pour vous-même, pour d'autres personnes. C'est un truc qui dérive directement de Kettley, qu'il a inventé lui-même. C'est quelque chose qui donne véritablement la notion d'obésité, la notion de quelqu'un qui est trop maigre, et donc la notion aussi de marginalisation de ces personnes qui vont être considérées comme anormales. Alors, ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter à un discours sur l'obésité. Ce serait un petit peu méchant, mais pas non plus trop. Ce ne serait pas super grave, entre guillemets. Sauf que ces travaux-là sont récupérés par pas mal de gens, parce que les statistiques sont en train de naître à l'époque. Kettley n'est pas un inconnu. C'est celui qui organise le premier congrès international de statistiques. C'est quelqu'un qui promeut le développement de la statistique institutionnelle. C'est-à-dire la statistique, non pas seulement de quelques chercheurs dans leur coin, mais une statistique adossée aux États, ou plutôt l'inverse même, des États qui s'adossent à une analyse statistique pour pouvoir élaborer leur politique. Et parmi les statisticiens qui vont s'intéresser à tout ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Francis Galton, qui est, je pense, assez connu de tous les statisticiens, qui est sans doute voilà, l'un des grands génies de l'histoire de la statistique, qui a fait, par exemple, j'ai pas pensé à mettre l'illustration, mais ce qu'on appelle la planche de Galton, c'est-à-dire une planche, comme vous savez, au jeu de fête foraine, avec des petits bitonios qui permettent de faire tomber des billes, et vous voyez que les billes, au final, suivent une courbe de Gauss. Donc, c'est une invention pédagogique pour le coup, mais Galton a fait aussi beaucoup de travaux théoriques de très grande importance. Et Galton a écrit, sur la fin de sa vie, un ouvrage qu'il a brûlé, bizarrement, mais dont on a retrouvé des fragments. Et puis même sa famille aussi, une fois qu'il est mort au début du XXe siècle, dans les années 1910, a essayé de faire disparaître ce manuscrit. C'est bizarre parce qu'on se dit, bon, travail statistique, c'est pas non plus hyper dangereux. Galton écrit quelque chose qui s'appelle « Can't say where », c'est-à-dire « je ne sais pas où ». C'est une utopie. Alors, c'est d'autant plus bizarre de brûler un document comme ça. Sauf que c'est une utopie eugéniste. Alors, l'eugénisme, ça veut dire qu'on va trier les gens sur le carreau pour faire en sorte que puissent avoir des enfants, puissent se reproduire seulement ceux qui sont considérés comme étant normaux ou du moins souhaitables. Alors, évidemment, tous les gens qui sont considérés comme idiots, tous les gens qui sont considérés comme ayant trop de maladies, tous les gens qui sont considérés comme n'étant pas parfaitement dans le moule, un petit peu trop anarchiste, un petit peu trop révolutionnaire, un petit peu trop alcoolique, un petit peu trop joueur, tous ces gens-là. Le but de l'eugénisme, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se reproduire pour ne pas transmettre leur patrimoine génétique manifestement pas très bon et pas très souhaitable pour l'avenir. Alors, heureusement, entre guillemets, il y a quelqu'un qui s'appelle Carl Pearson. Là, pour le coup, si vous avez fait des statistiques, vous connaissez forcément ce nom de Pearson, qui fut le successeur de Galton, qui a repris la chaire de Galton de statistique et qui a passé du temps à publier les œuvres complètes de Galton, et notamment ce roman utopique, en tout cas ce qu'il en restait, concernant l'eugénisme. Sauf que Pearson va aller beaucoup plus loin et va développer une théorie de l'eugénisme qui va être encore plus forte que celle de Galton. Il va écrire des articles, par exemple, contre les Juifs en Angleterre, qui viennent souiller la race pure anglaise. Alors, il n'est pas le seul, hein. Ce genre d'idées anti-immigration, anti-race, considérées comme inférieures, etc., qui, voyez-vous, hein, vient directement de ce raisonnement statistique autour de la loi normale, va être, par exemple, défendu par Alexander Graham Bell, ce nom, vous êtes peut-être familier, c'est l'inventeur du téléphone, qui remarque, en dehors de ses travaux sur le téléphone, que les sourds ont une forte probabilité, lorsqu'ils ont des enfants entre eux,
de transmettre la surdité à leurs enfants et qui donc propose d'interdire les mariages entre personnes sourdes. Vous avez plein d'ouvrages aux États-Unis, comme celui de Mazison Grant, qui est assez connu et puis qui a quand même un titre, je crois, assez évocateur, Le déclin de la grande race, qui incite donc à de l'eugénisme très, très violent, à faire en sorte notamment que les Noirs américains ne puissent pas se reproduire, etc. Ou en tout cas, quoi qu'il en soit, pas avec des Blancs et puis même pas trop entre eux. Vous avez ensuite des prix Nobel de médecine, comme Alexis Carrel, français, qui dans L'homme, c'est inconnu, qui est un peu son best-seller, propose de faire, comment dire, de stériliser des gens, volontairement ou non. Vous avez Charles Richet, L'homme stupide, qui là encore propose de stériliser des gens de force, etc. Vous avez même William Shockley, prix Nobel de physique pourtant, mais qui s'intéresse aussi au sujet et qui défend une vision eugéniste à un niveau institutionnel. Je vous montre enfin cette image concernant l'eugénisme qui consiste à dire, voilà, seules les bonnes graines doivent être semées. Donc si vous-même, vous avez des maladies héréditaires, comme c'est indiqué en bas de l'affiche, alors faites-vous contrôler et puis comme ça, bah, on vous dira si vous pouvez vous reproduire ou pas. Parce que pour le bien de l'humanité, si vous avez des faiblesses dans votre patrimoine génétique, alors il vaut mieux pas que vous vous reproduisiez. Ça peut paraître comme ça un peu fou, un peu exagéré, et puis on peut se dire, bon, bah, c'est quand même des savants fous qui avaient des idées assez bizarres. Bon, heureusement que ça reste du domaine de la recherche. Oui, mais en fait non, parce que l'eugénisme va être très rapidement, dès le début du XXe siècle, aux États-Unis, en Suède, en Suisse, au Danemark, Norvège, Finlande, Estonie, Irlande, Islande, pardon, Japon, Chine, Singapour, également sous le régime de Vichy en France, vous allez avoir des vraies lois eugénistes, donc qui interdisent des mariages entre personnes de races différentes, pour des personnes considérées ayant des maladies mentales. Alors, je dis bien considérées, parce qu'après, il y a une manière d'évaluer la maladie mentale qui fait qu'on peut mettre le curseur un peu où on veut, et ça peut mettre dans le collimateur des gens qui ne seraient pas en réalité considérables comme étant malades mentalement. Des criminels, des alcooliques, des nains, mais aussi des pauvres, parce qu'évidemment, l'eugénisme a aussi un caractère social. Et puis, naturellement, dans toute la perspective eugéniste, eh bien, il y a le régime nazi. Qui là pour le coup je pense n'est pas une surprise pour vous, le régime nazi qui stérilise, qui ne fait pas seulement, qui ne fait pas que tuer, mais qui stérilise aussi dans cette perspective eugéniste, à tel point que lors des procès de Nuremberg, les nazis qui sont donc accusés de ce comportement eugéniste inhumain, etc., vont se réclamer d'un américain, Charles Davenport, qui était le plus grand promoteur, alors il est mort 44, mais qui était le plus grand promoteur aux États-Unis de l'eugénisme institutionnel. Et il faut savoir que la stérilisation se fait non seulement sur des gens qui sont, entre guillemets, au courant, mais aussi sur des gens de façon subreptice et parfaitement à leur insu, au sens où il y a beaucoup, beaucoup de maisons médicales, d'hôpitaux et de structures médicales aux États-Unis notamment, mais pas seulement, qui stérilisent les gens sans même qu'ils le sachent. Des gens qui sont admis parce que voilà, ils ont des problèmes d'alcoolisme ou des choses comme ça, on les stérilise alors même qu'ils ne le savent pas. Donc on est sur une violence humaine extrêmement forte. Voilà pour les deux, comment dire, les deux trames un peu historiques que je voulais vous présenter. Je vais peut-être, on est à peu près à mi-parcours, vous proposer juste deux énigmes. Une première pour vous montrer un petit peu le pouvoir du chiffre, et puis après on va aller sur des choses plus contemporaines. La première énigme que je voulais vous proposer, c'est celle qui est peut-être un peu connue d'ailleurs, hein, mais celle des $30 divisé en 3. Donc elle s'appelle un peu comme ça, elle est devenue classique. Donc l'idée, c'est qu'il y a trois amis qui sont à un repas, chacun donne $10 parce que le total c'est 30. Voilà, l'addition, c'est $30. Donc, chacun donne $10. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'à un moment, le patron s'aperçoit que, en fait, ce n'était pas 30, mais $25 qu'il fallait payer.
Alors, le patron donne 5 billets de 1 dollar à son serveur et lui dit d'aller les donner à ses clients. Mais le serveur, un peu roublard, va donner seulement 3 dollars aux convives, donc 1 dollar chacun, et puis il va se garder 2 autres dollars pour lui. Alors, je vais vous mettre l'illustration qui va peut-être éclaircir un peu la chose. Voilà, hop. Voilà. Donc, chaque client qui avait payé 10 dollars se voit rembourser d'un dollar. Donc, chaque client, effectivement, au final, aura dépensé 9 dollars. Le serveur s'en garde 2 dans la poche. Sauf que le total, ça fait 9 plus 9 plus 9, c'est-à-dire 27, plus 2, ça fait 29. Et alors, il manque un dollar dans l'affaire. À votre avis, où est passé ce dollar? Est-ce que vous avez quelque idée? Alors, vous pouvez activer le micro si vous avez une idée. Alors, je vois Marie qui dit qu'elle la connaît. Thierry, question insidieuse. Bon, alors, si vous la connaissez peut-être presque tous, alors je vais vous répondre tout simplement. En fait, il ne faut pas du tout additionner comme ça. La réalité, c'est qu'il y a 27 dollars qui ont été dépensés par les trois clients. Et en fait, ces 27 dollars se retrouvent pour 25 dans la poche du patron, pour 2 dans la poche du serveur. 27 est bien égal à 27. Il n'y avait aucune raison d'additionner les 27 et les 2. Et pourtant, c'est ce qu'on a, suivant cette présentation de cette énigme, c'est ce qu'on a tendance à faire assez spontanément. Ça vous montre à quel point, quand on a des chiffres, on peut induire en erreur volontairement, c'est des pseudo-démonstrations, pseudo-raisonnements mathématiques, mais qui peuvent avoir un impact important lorsqu'on les utilise en politique. Une deuxième énigme, voilà, si on a ces 16 points, il faut les relier avec 6 traits sans lever le crayon et en passant une seule fois par chaque point. Alors, si vous essayez de faire un escargot, vous verrez qu'il va vous manquer un trait à la toute fin. Je vais peut-être vous donner la réponse parce qu'elle est assez connue aussi, mais je pense qu'elle est assez révélatrice. Il faut procéder comme ça. Il faut sortir du carré que nous laisse imaginer les 16 points pour arriver à réunir les 16 points par 6 traits. C'est ce qu'on appelle voilà, le thinking outside the box, donc penser en dehors de la boîte en français. C'est un exemple assez connu, mais je pense qu'il est révélateur parce qu'il montre une chose. Quand on est face à 16 points comme ça, ou quand on est face à une situation comme celle-ci, on est en quelque sorte prisonnier de ce que les chiffres, là pour le coup on a des points, mais les chiffres et les points c'est la même chose, c'est des unités, c'est des entités élémentaires, on est prisonnier de la structure implicite qu'elles imposent à notre cerveau. Et donc, il est très difficile de sortir de cette structure implicite pour se dire, bon, finalement, il fallait regarder un petit peu en dehors pour trouver la solution. Eh bien, ça me permet d'évoquer quelque chose qui est devenu assez connu aujourd'hui, qui est les fameux 3% de déficit. C'est, vous savez, quelque chose qui est assez fréquemment cité à la télévision, dans tous les médias, etc., et par tous les hommes et femmes politiques de la plupart des pays, et notamment en Europe, ce seuil de 3% qu'il ne faut absolument pas dépasser. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de quelqu'un qui s'appelle Guy Abeille, que voici, qui, lorsqu'il était jeune, donc c'était en juin 81 à l'époque, et Guy Abeille se voit sommé, donc il est au ministère du budget, et il se voit sommé par sa hiérarchie de répondre à une demande de l'Élysée, donc de François Mitterrand, fraîchement élu, qui dit, bon voilà, le train de vie des ministères ne va pas, on ne peut pas se permettre de jeter l'argent public par les fenêtres, donc il me faut une réduction de dépenses publiques. Sauf que, évidemment, Mitterrand bien conscience que ce n'est pas juste en disant ça et en tapant sur les doigts de ses ministres et de ses ministères qu'il va résoudre le problème, donc il demande une règle budgétaire. En d'autres termes, un chiffre. Alors Guy Abeille réfléchit à pas mal de possibilités, voilà, que ce soit les impôts, les dépenses d'État, la structure même des dépenses publiques, toutes les fluctuations qui sont dues à la conjoncture, etc.
tous ces arguments-là ne sont pas hyper convaincants. Et puis finalement, il y en a un qui s'impose, c'est celui du déficit. Mais le déficit tout court, pas en termes de pourcentage, en termes de valeur. Sauf que évidemment, 10 millions, 50 millions, 1 milliard, 10 milliards, 20 milliards de déficit, ça dépend. Ce n'est pas en soi que ça a du sens. Si vous avez une économie qui fait, si vous avez un produit intérieur brut qui vaut 1 milliard, qui vaut, oui, 1 milliard par an, c'est très faible, évidemment qu'une un déficit de 900 millions, ça va être colossal. Si vous avez une économie qui a 2000 milliards de produits intérieurs bruts, bon, bah, en gros, ça, c'est quand même plus la même chose, quoi. C'est quelque chose qui devient un peu plus de l'ordre de la goutte d'eau. Donc la question, c'est un peu, voilà, sur quoi on va, à quoi on va rapporter ce déficit en argent, à quelle somme on va la rapporter. Et l'idée qui va émerger assez vite, c'est celle du produit intérieur brut, donc comme on fait aujourd'hui. Donc, de diviser la dette par le produit intérieur brut, de voir combien de pourcents ça fait, et puis de voir si on est au-delà de 3%. Sauf que Guy Abeille le dit lui-même, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Le déficit, c'est quelque chose qui fait appel à de la dépense qu'on va devoir rembourser à des échéances assez relativement lointaines, en tout cas pas strictement maintenant, alors que le produit intérieur brut, c'est de la création de richesse sur l'année en cours, sur l'année même passée. Donc, c'est des choses qui n'ont pas, qui ne sont pas homogènes, comme on dirait en physique, qui n'ont pas la même unité, qui ne sont pas rapportables. On ne peut pas en faire une fraction de façon décente. Et Guy Abeille le dit aussitôt. Pour autant, c'est assez efficace, ça marche, c'est simple. Le produit intérieur brut, tout le monde sait ce que c'est. Le déficit, tout le monde sait ce que c'est. On va diviser l'un par l'autre. Et il reste une dernière question, c'est quelle limite on va mettre au déficit public divisé par le produit intérieur brut. Alors, 1%, ça serait joli, ça pourrait, mais on est déjà au-delà. 81, donc on se dit, non, ça ne sert à rien. Si c'est pour déjà se considérer comme hors la loi, ça n'a aucun intérêt. 2%, d'ici peu, on sait qu'on va les dépasser. Alors, on met 3. Voilà. Et c'est comme ça qu'on met 3% comme règle sur le déficit public maximal, qui est une règle qui n'a aucun sens. Aucun sens, et son créateur le reconnaît très volontiers. Donc, ça montre le. Alors, ce n'est pas de la manipulation stricte, c'est de l'usage des statistiques, c'est de l'usage des chiffres par la classe politique. Mais il y a un côté manipulation dans la mesure où aujourd'hui, ces 3%-là, qui n'ont pas beaucoup de sens, sont considérés par l'Europe comme une limite à ne pas dépasser sous peine de sanctions automatiques. Vous n'avez même pas la possibilité d'expliquer que vous faites une dépense publique cette année-là pour des raisons particulières, parce que vous avez un projet au niveau de votre État. Non, s'il y a des sanctions qui sont automatiques. Et ça montre qu'il y a un renversement. C'est plus la politique qui gouverne avec des chiffres, c'est les chiffres qui gouvernent même la politique. Vous êtes élu à une fonction nationale dans un pays européen, vous savez très bien que ce 3% vous gouverne. Vous n'avez pas le choix, ce 3% est plus fort que vous. Alors, il y a pas mal de choses, je vais essayer d'accélérer peut-être un tout petit peu juste pour aller sur deux points qui me semblent intéressants et vous laisser un petit peu de temps après pour d'éventuelles questions. Et j'ai vu qu'il y avait des choses dans le chat, mais je n'ai pas eu le temps de lire parce que, en parlant, c'est difficile. Le produit intérieur brut, donc, qui nous a servi pour le déficit, mais qui sert aussi tout seul à mesurer la création de richesse d'un pays. La création de richesse, c'est un concept qui est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que créer de la richesse? Alors, si vous vendez des choses, en gros, on comprend. On peut mesurer votre création de richesse par l'argent, la plus-value, la valeur ajoutée que vous avez faite d'un moment sur l'autre, d'une année sur l'autre en particulier. Donc, ça, on va se dire, la création de richesse, bon, pourquoi pas? Pour les choses qui se vendent, ça a du sens. En revanche, pour toutes les activités qui ne sont pas marchandes, c'est vachement plus compliqué de mesurer la création de richesse. Si vous êtes prof, si vous êtes fonctionnaire hospitalier par exemple, si vous êtes infirmier hospitalier ou médecin hospitalier, votre création de richesse n'existe pas. On ne paye pas particulièrement les profs, ou du moins, je veux dire, on ne paye pas le service qu'il donne aux élèves, ou du moins, on le paye très faiblement puisqu'il est pris en charge par l'État. De la même manière pour tout ce qui est dans le milieu hospitalier. Alors, comment on va mesurer votre création de richesse? La règle de comptabilité internationale consiste à dire que dans ce cas-là, on vous mesure à travers votre salaire.
problème, c'est que les profs, par exemple, les chercheurs, le milieu hospitalier ne sont pas les gens les mieux rémunérés. Donc, quand vous êtes dans ce cadre-là, vous n'apportez pas beaucoup de richesse parce que de toute façon, la richesse que vous créez, en fait, elle est remboursée par l'État, donc vous êtes à peu près à somme nulle. Mais en plus, au niveau de la comptabilité nationale, on vous compte par votre salaire qui se trouve ne pas être particulièrement élevé. Donc, vous arrivez à une fonction étatique, vous dites, je veux que le produit intérieur brut soit le meilleur possible et surtout croisse. La croissance, c'est son évolution d'une année sur l'autre. Vous n'avez donc aucun intérêt à recruter des profs, à recruter des médecins et des infirmiers hospitaliers. Ça n'a aucun intérêt pour vous parce que c'est une dépense publique qui ne donne pas particulièrement d'effet sur le produit intérieur brut et donc sur la croissance. Vous n'êtes pas naturellement stimulé à faire ça pour votre objectif quantifié qui est l'objectif de croissance. Alors là, ce n'est pas une manipulation stricte de mauvaise foi, mais c'est une sorte de manipulation de bonne foi du chiffre. Vu qu'on regarde un chiffre et que ce chiffre n'a qu'un sens assez partiel, on est enfermé comme on l'était dans les 16 points ou dans l'énigme des trois convives qui se partagent les 25 euros. On est enfermé par le chiffre dans un schéma mental qui fait que, assez naturellement, on ne sera pas porté à insister, à investir sur certaines choses. La richesse intellectuelle, je vois effectivement pareil. Là, c'est quelque chose qui, effectivement, ne se mesure quasiment pas. On peut mesurer, par exemple, par les ventes de livres, s'il y a des choses comme ça. Mais la richesse culturelle, en général, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc, il y a pas mal de réflexions actuelles, hein, sur la mesure du bien-être, la mesure du patrimoine immatériel, des choses comme ça, mais au final, le produit intérieur brut n'en tient pas compte parce que c'est difficile de mélanger les choux et les carottes. Vous avez ensuite, alors je vais passer peut-être directement à une idée qui est, voilà, on voit que là, il y a des erreurs, comment dire, des manières de considérer les choses qui peuvent être problématiques, qui peuvent nous amener à avoir des politiques prédéterminées par la forme même des chiffres que l'on vise. Vous avez eu des erreurs, notamment au FMI, avec une étude notamment qui a, je vous le raconte très rapidement, mais qui avait pour conséquence de dire si vous dépassez un certain seuil de dette, alors votre économie ne peut plus aller de l'avant, vous êtes en récession nécessaire. Cette étude a été utilisée par énormément de ministres des Finances en Angleterre, en France, un peu partout, puis par le FMI directement, pour imposer, dans les années 2000, début 2010 notamment, pour imposer des politiques de restrictions budgétaires, des politiques de, je ne sais plus trop comment on dit, des politiques d'austérité, pardon, voilà, merci, ouais, tout le monde l'avait, sauf moi, des politiques d'austérité et de rigueur. Sur cette base-là d'une étude qui a été faite, une étude de comparaison internationale. Un étudiant a vu, en fait, en reprenant les mêmes chiffres, que ça posait problème. Les conclusions n'étaient pas les mêmes que celles de l'étude. Il se trouve, en fait, que volontairement ou non, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, les deux économistes du FMI avaient oublié certains pays qui, s'ils avaient été inclus dans l'étude, auraient complètement changé le résultat et auraient démontré en gros que la dette n'a pas un impact déterminant sur la croissance ou la récession d'un pays. Donc ce sont des choses qui sont assez fortes, et là pour le coup, il y a peut-être une manipulation volontaire. Au mieux, elle est involontaire, mais elle est quand même assez violente puisqu'elle a proposé ou imposé surtout des politiques d'austérité très violentes, très drastiques à pas mal de pays, qui n'en auraient peut-être pas eu du tout besoin. Alors, on est aujourd'hui dans un monde où les statistiques nous gouvernent beaucoup. On est beaucoup à regarder, alors avec le Covid en particulier, tout le monde a su tout d'un coup ce que c'était qu'une courbe de Gauss, parce qu'on attendait toujours d'être au pic de la courbe et puis que ça redescende. C'est assez, disons que l'intrusion des mathématiques et des statistiques et du chiffre en général dans notre vie quotidienne est très très forte aujourd'hui. Elle pose problème parce que peut-être que les statistiques qu'on utilise ne sont pas les bonnes. Peut-être qu'on devrait raisonner différemment à une statistique un peu plus novatrice, un peu moins quantifiée déjà peut-être. Il y a en particulier quelqu'un dont je vais vous montrer très rapidement
le titre de l'ouvrage, parce que c'est quelqu'un dont on n'a aucune photographie, mais surtout même aucune peinture, aucun portrait, qui s'appelle Jacques Peuchet, qui est un homme vraiment de l'ombre, qui a travaillé au service statistique de Napoléon Ier, qui ensuite a travaillé aux archives de la police et qui a développé à travers tous les faits divers qu'il a pu remarquer et reconstituer, il a pu développer une conception de statistique littéraire, c'est-à-dire une statistique qui soit orientée sur des cas précis, représentatifs de cas plus généraux, mais qu'on investigue, qu'on enquête à fond, qu'on approfondit et qu'on essaie de comprendre, non pas à travers des chiffres, mais à travers une logique plus littéraire, plus humaine en quelque sorte. Ça peut paraître un peu faible dit comme ça, on se dit, bon, bah oui, on prend un exemple, d'accord, mais qui nous dit que c'est représentatif? Et puis, voilà, ce cas-là est peut-être très particulier, et puis on ne va pas en faire des millions non plus d'exemples, c'est trop long. Oui, mais ça a peut-être du sens, au point que des gens comme, vous voyez ici, Marx et Engels ont retravaillé, bah, Marx a retravaillé directement des travaux de Peuchet, justement tirés de ses mémoires des archives de la police de Paris, que je vous montrais, notamment sur des suicides féminins, et qui l'ont amené à voir effectivement que le suicide féminin et donc la place des femmes dans la société post-révolutionnaire française avait été complètement négligée, que, comme le dit Peuchet, les femmes, la révolution a aboli les classes, mais n'a pas aboli le problème pour les femmes, qui se retrouvent dans une situation où la bourgeoisie émerge et finalement est pire que lorsqu'il y avait l'aristocratie. C'est une situation qui peut nous faire réfléchir à aujourd'hui, hein, avec le Covid, lorsque les écoles sont fermées, en général, ce sont les femmes qui s'occupent de garder leurs bambins et pas les hommes. C'est quand même quelque chose qui pose problème pour ensuite leur réinsertion professionnelle, lorsqu'elles reviennent sur le marché du travail et que tous leurs collègues masculins ont continué à travailler, mais pas elles parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants. C'est difficile. Ça, une statistique quantitative, oui, elle peut le voir si on réfléchit beaucoup plus avant. Si on a une statistique littéraire avant, une statistique sociologique peut-être avant, on arrive à comprendre ce genre de choses. Si on a une statistique purement quantitative, on passe au travers. Et à tel point, par exemple, que Engels disait qu'il avait plus appris dans Balzac que dans tous les tableaux statistiques de l'époque. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui a du sens. Alors, pour conclure, et vous laisser ensuite la parole, et pas dépasser le temps qui m'est accordé, les chiffres aujourd'hui sont au cœur de notre vie quotidienne, ils sont au cœur de notre vie politique quotidienne, de notre vie sociale quotidienne, de notre vie économique évidemment quotidienne. Tout ça, ça n'est pas des évidences. L'économie s'est mathématisée au fil du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais avec beaucoup de discussions, beaucoup d'opposition à ce mouvement-là. La sociologie est devenue quantitative avec là aussi beaucoup de réflexion et beaucoup d'opposition. Ce ne sont pas des choses qui vont d'elles-mêmes. La mathématisation des choses n'est pas une obligation. Et faire des mathématiques sur un sujet, ça consiste souvent en fait à transformer ce sujet. Ce n'est pas neutre de mettre des maths dans un sujet, ça implique une modification de la conception qu'on a même de ce sujet. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il y a, donc pour conclure, une phrase de Margaret Thatcher, qui est son slogan même, qui était « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça qu'on vit les chiffres, notamment à travers le Covid. Le nombre de contaminés est devenu celui-ci, donc on passe automatiquement en zone de telle couleur ou telle autre. Donc il y a des conséquences automatiques qui se mettent en place sur les déplacements, sur la possibilité de sortir, sur les horaires, sur les écoles et tout ce que vous voulez. Le chiffre devient maître de notre vie, il nous gouverne. C'est un renversement qui me semble un petit peu une erreur. Et donc je voudrais juste citer en conclusion une phrase qui répond en quelque sorte, mais en l'anticipant, à Margaret Thatcher, qui est de Condorcet, qui a vécu la Révolution française, pour que vous le situiez facilement. Condorcet, dans un discours qui s'appelle « Sur le sens du mot révolutionnaire » en 1793, un an avant de mourir, écrit notamment ceci « Sur la nécessité, l'excuse des tyrans. Dire que le chiffre est comme il est et que donc on n'a plus le choix, c'est antidémocratique, fondamentalement. » Et c'est un problème parce que nos démocraties tendent de plus en plus vers un gouvernement et une politique quantifiée qui, de plus en plus, prend le pas sur la possibilité même de réfléchir politiquement, de réfléchir collectivement et donc démocratiquement à ce que nous souhaitons comme conception du bien,
au niveau politique. Donc, ce que je veux dire en conclusion, c'est que les chiffres sont des outils. C'est des outils qui doivent nous permettre de creuser la réalité, de la complexifier. Ce ne sont pas des fins en soi. Et surtout, ça ne doit pas être des instruments pour nous asservir, mais des instruments pour nous libérer. Et je vous remercie.